Re-bonjour à toutes et à tous les Kazmas, bienvenue, enfin bien revenue plutôt sur World of Goo pour ce second épisode. Nous sommes toujours dans le chapitre 1, on va en voir la fin normalement aujourd'hui. On est parti pour 1, 2, 3, 4 et 5 niveaux avant de passer au chapitre 2. Encore une fois, le jeu a sa petite durée, mais normalement, ça devrait aller. Mise en scène, que se passe-t-il? Oula. D'accord, donc on est dans un niveau qui tourne. Et nous avons des petites bouboules vertes. Alors je rappelle le principe, en gros il faut construire des ponts gluants pour atteindre l'objectif. Ah et c'est ça, je peux bel et bien me raccorder à trois trucs en même temps. Ah ouais, attends, ce que j'étais en train de me dire, est-ce qu'il faut pas faire pivoter une boule pour qu'elle arrive à atteindre l'autre côté, mais vraiment en roulant. Attends, parce que ça va être compliqué ce que j'essaie de faire là. D'accord, ok, j'ai une idée globale de ce que je veux faire. C'est-à-dire que, en gros, on va construire le pont, mais en biais de base. Comme ça, au moment où il tournera, eh ben, il serait dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est qu'il faut juste qu'il atteigne le tuyau. S'il atteint le tuyau, c'est gagné. Tu vois? Dommage! Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Parce que vous voyez, en fait, il peut retenir le pont, la tour, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de temps là-dessus. Et le problème, c'est qu'il reste pas assez longtemps. Donc attends, on va essayer de faire un truc, je sais pas quoi, mais on va essayer. Non. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Je suis sûr que c'est un jeu de vitesse. Mais il faut réussir à gagner du temps. On va mettre une béquille, en fait. Je pense que la béquille va nous faire gagner le temps qu'il faut, j'espère. J'espère, parce que... Hop. C'est un peu du freestyle. C'est un peu du freestyle qui passe pas. Oh, ce niveau de la difficulté. Et d'ailleurs, parce qu'on s'est un peu lancé comme ça à la One Again is to Fly, et j'avais pas vu qu'il y avait notre ami le peintre des pancartes qui avait laissé un message. Une nouvelle espèce de boule de goût. Je dois dire qu'elles ont l'air vraiment magnifiques. Je ne sais pas si elles ont peur de s'engager ou quoi, mais il me semble qu'on puisse les détacher facilement. Ah ouais? Ah, mais alors attends. Ah mais oui, ça change du tout au tout. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on avait quoi? On avait juste les boules noires et les boules albinos. Et bah, les boules albinos, elles sont blanches, mais elles ont rien de particulier, je crois. Sauf peut-être le fait de se raccorder à trois trucs en même temps. Mais par contre, les boules noires, elles sont uniques. Genre, tu les raccordes une fois, c'est fini. Mais elles, tu peux les détacher. Ah ouais, d'accord. Mais ça change tout. Du coup, j'ai pas besoin de reset 30 fois le niveau. Attends, on est sur un truc pas mal. Attends. Ah. Bordel. Putain, j'avais une structure qui tenait. Oh, McFly. Viens là, McFly. Tu vas voir. Je veux t'avoir, McFly. Vas-y. Oui, c'est bon, là. Super. Eh ben, excellent. Et messieurs, dames, on prend bien le temps à chaque fois de faire ce qu'il faut pour récupérer un maximum de goût. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il y a un énième niveau bonus qui permet du coup de faire une tour très haute pour atteindre un objectif mystère. Donc voilà, c'est très important de réunir un maximum de ressources. Et là, j'en suis à plus 34 pour ce fameux objectif mystère World of Goo Corporation. Là où j'avais déjà commencé à faire une tour, sauf qu'on ne voit pas le sommet. Et à mon avis, c'est très haut. 23 de 58. Ah oui, d'accord, donc 58, c'est le total. Ouais, c'est ça, ok. Bon, je se casse la figure, c'est pas grave, on verra plus tard. Allez, on enchaîne. Tour de lierre, pardon. Tiens bon. Donc en gros, là, il faut que j'aille chercher mes copains d'en bas et que je monte en haut. C'est une boule de goût tombe dans un puits de 10 mètres de profondeur et remonte chaque jour de 3 mètres. Et redescend de 2 mètres durant la nuit. Aura-t-elle toujours bonne mine au petit matin? La conclusion. Peut-être que si elle s'appuyait sur les murs aussi fort que possible et croyant la force et le frottement, elle pourrait réussir à s'élever, ton ami le peintre. Alors là, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant parce qu'en gros, il va falloir décomposer ce qu'il y aura en dessous pour le mettre au-dessus, etc, etc, en fait. C'est comme... qui a déjà vu le film de Cusco? L'empereur Cusco. J'adore ce film. Et ben, ils utilisent ça à un moment avec Pat, je crois. Pour monter. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais, j'ai vu, hein, y a un deuxième panneau. On va aller le lire. Vous inquiétez pas. Je veux juste... Voilà, qu'on arrive à... Oups. Qu'on arrive à structurer un truc qui tienne. Pourquoi on tombe, là? Pourquoi on tombe? Attends, pourquoi je suis ultra mauvais? Pourquoi on est ultra mauvais? Eh oh!
Parce qu'en fait, ouais, je pense que c'est ça. Vu que les boules, elles se détachent, je dois prendre les mauvaises boules, en fait. Je dois prendre celles qui sont déjà installées, et du coup, ça va être pour... Attends. Toi, tu sers à rien. Il a dit Nathalie, hein. Il m'aurait pas plu. Ok. 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 Toi, viens là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, Palo? Certains gagnants sont plus... Quoi? Ah, certains gagnants le sont plus que d'autres. Regarde dans le menu de chaque niveau pour des informations importantes. Avec distinction, le peintre des pancartes. Oui, je sais. Sauf que c'est ultra dur. Critère de distinction obsessionnel. Recueillir 16 boules. Ça va, oui? Dis donc. Espèce de petit pervers à me parler de tes boules. Compliqué tout ça, hein. Attends. Et attends. Et c'est là où je disais justement dans la première VOD que ce qui manque par contre au jeu, c'est le fait de pouvoir contrôler indépendamment la caméra du contrôle du jeu en lui-même. Parce que vraiment, c'est pas pratique en termes de précision. Après, ça se trouve, c'est totalement voulu, hein. Mais j'ai du mal à le croire. Ça grimpe, hein, ça grimpe. C'est dur, mais ça grimpe. Par contre, en vrai, attends, c'était quoi l'objectif? 16 boules! C'est un jeu de boules, normal que ça parle de boules. Ouais, ça va, hein. Common C pour. Ok. Ok. Non mais 16 boules les gars. Allo. Quoique si en fait ça peut se faire. Parce que sur la fin t'as juste à remonter petit à petit une fois que t'es accroché. Oula, oula, oula. Calme-toi Michel. Calme-toi Michel. Si si, en fait je suis sûr que l'objectif des 16 boules il est pas si dur. Alors là faut commencer à structurer. Voilà, tu renforces. Tac. Tac. En fait, faut savoir où lâcher. C'est ça le plus dur. Paf. Ok, l'inspiration est là. Donc, si je te lâche toi, ça va. Si je te lâche toi, ça va. Si je te lâche toi, ça va. Si je te lâche... Ça va. C'est dur. Si je te lâche toi. Paf. Et attends. J'essaye vraiment de renforcer ça. Ça passe plus. Ok. Ok. À 16 ah c'est chaud quand même hein. Ah si si 16 c'est chaud. Là, il y a un pilier qui permet de tenir le tout, mais là, tu sens que ça glisse en fait déjà. Ouais, ça ne passera pas, tant pis. Bon, bah, déjà, j'en ai 8 sur 2. Allez, blaze. J'ai fait un petit bonus de 6, petit ratio agréable. Voilà, voilà, voilà. Boule de goût 8. Mais là, vous êtes sûr que. Ah, mais oui, c'est ça, c'est marqué plus 6. Sauf que vu que la plus d'écriture est chelou, on dirait un B. Enfin, c'est droit en fait, comme un B. Ça, c'est perturbant. Ok. Niveau suivant, s'il vous plaît. Niveau de chaîne. Équilibre. Eh bien, allons-y. Soyons équilibristes. Jouons avec nos boules. Jonglons avec nos boules. Qu'est-ce que... Oula. Ça, pour de la boule, c'est de la boule. Ok, donc on a... Un cumul de deux goûts différents. On a les goûts verts, du coup, qu'on peut réutiliser. Et on a les goûts noirs. D'accord. Tu veux trier là. Moi, je cherche d'abord... Les pancartes, j'ai vu qu'il y en avait une là, mais j'en cherche une bonus. Pas de bonus. Ok. Les boules de goût de ce côté-ci ne semblaient pas aimer les boules de goût situées de ce côté-là. Je ne sais pas, pour moi, elles se ressemblent toutes. Vraiment délicieux. Le peintre des pancartes. Alors du coup, là, il faut aller chercher des boules qui est en bas. Mais... Ah mais oui, d'accord. En fait, en utilisant les boules vertes... Ah, mais ouais. Bah ouais. Vu qu'elles sont réutilisables... Tu vas chercher les boules noires. Et ensuite, tu fais ta tour à l'esblaise. Tranquille. Tranquille. Accrochez-vous. Nous allons vous attraper. Nous sommes l'union des Spider-Man. La congrégation des goûts. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Allez, il y en a un là. Il y en a un là. Tu veux pas l'accrocher? Wouhou. Michel. Bon. Vas-y, Michel, va là-haut. Ok, super.
Tout se passe bien, tout se passe bien. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, il y avait d'autres Michel qui tentaient autre chose. Pouf. Ah ouais, non, mais c'est chiant, par contre, faut faire ça. Voilà, et c'est là que le fait de dézoomer, ça aurait pu changer la vie. Mais bon. Ah, mais c'est chiant. Waf. Voilà. Alors, m'en voulez pas si je dis waf, hein. Je rappelle que je travaille dans l'animation, et on était sur le thème des Dalton. Et devinez qui c'est que je jouais, moi. Je joue un chien, devinez. Ouais, n'empêche, ça a bien marché, hein, mais... Du coup, m'en voulez pas si je sors des waf à tout va qui n'ont aucun sens. C'est pour ça. Animation petite enfance, hein, je rappelle. Parce que certains vont dire, animation? Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Viens là. Viens là. Par contre, maintenant qu'ils sont réveillés, techniquement, voilà, je peux les refoutre là. Ok. 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 Non. Attends. Là. Là. Là, 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 mais... C'est chiant. Il se raccroche pas au jeu. Attends, on va directement les placer. Comme ça, ça sera fait. Super. Mais non ! Viens là, Michel ! Je remarque, mais il y a beaucoup, beaucoup de crocs de mouche, en fait. C'est assez gentil, hein. Ça aurait pu en mettre 3, tu sais. Et s'arrêter sur 3. Sbum ! Ok. Un maximum de structures. Ah ouais, mais il en faut 15, c'est pour ça. Parce que j'aurais presque tendance à dire que oula. Ils sont gentils, mais... Faut pas oublier que s'il en faut 15, il faut majoritairement tout, en fait. C'est bon? Vas-y, pompe! Pompe, Michel, pompe! Vas-y, pompe, 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 pompe. C'est bon, il va tout avoir, Michel. Il va tout avoir. Ok. Vas-y Michel, vas-y Michel, vas-y Michel. Non. Bon bah tant pis. 21 sur 15, c'est agréable. Rentemplant, et eh oui. Équilibre plus jaune, pas sûr que ça fasse bon ménage. Ça va, mais comment ils sont méchants. Eh YouTube, j'espère que tu ne me juges pas comme ça toi aussi, hein, franchement. Parce que sur Twitch, je suis jugé, mais alors constamment. Je me rappelle pas dans ce jeu ce qu'il y a des boss, ou une forme de boss. En mode énigme. Oh, de constructeur de pont. Ah ah, c'est moi ça. C'est moi. Dans. C'est quoi le nom du jeu? Bridge Constructeur Portal? Je sais plus. Pour la patrie. J'adore l'ambiance. J'espère que le son est bien réglé, Kazma. J'espère que vous entendez bien tout ce qui se passe. C'est pas de l'OST du feu de Dieu non plus. Mais elle est très très propre. Très 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 honnête. Et elle accompagne très bien le jeu dans ce qu'il fait. Ok, donc faut faire un pont en utilisant tout ça. Alors que alors que le soleil se couchait sur la dernière colline, l'une des boules de goût eut l'air de dire que la vie ressemblait vraiment à une simulation physique géante. Mais en tombant dans le gouffre mortel plein de piquants, elle sut que cela n'avait aucune importance. Amitié, le peintre des pancartes. Là, il y a des piques. D'accord. Eh ben. Donc là, en gros... en suivant une certaine logique que moi j'ai, hein, c'est faire un pont ici qui en gros va tomber le plus loin de l'autre côté. Enfin, je pense, hein, moi c'est comme ça que je le prends. C'est tu fais ton pont au préalable et t'as un truc qui est pas trop mal en fait. Hein. Sup. Sup. Et... Ah oui, non, d'accord, ils le font comme ça, oui, avec des renforcements avec le mur. Ouais, d'accord, ok, ah, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Je suis pas un pro de ce genre de choses. Ah, c'est bien pour ça que j'ai eu du mal à finir le jeu de pont, là. Déjà, j'arrive pas à réunir les deux, là. Les deux ici, m'embête. Bordel, concentre-toi. Oula, oula. Oula, 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 oula. Oula. Ah, ça, c'est le petit matin. Hein. Il parle de coucher de soleil, mais... Non, non, c'est le petit matin, ça. Hein. Ah, bah, oui, oui. Je pense que beaucoup pourront le confirmer, là. Ah, ouais. Puis c'est le petit matin. Hein. Ah, attends. C'est chiant. Faut que j'arrive à redresser le tout.
Comment je vais redresser ça? C'est pas possible. Redresse! 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 On n'est pas bon, hein. On n'est pas bon du tout. On est mauvais, mais d'une puissance là. Oh la vache, je crois que je vais recommencer. Attends. J'essaye de sauver en fait un peu. Vas-y Michel. Vas-y Michel. Michel! Bon, c'est fini. On recommence. En avant, messieurs. Vers l'aventure. Bon, du coup, plan numéro 2. Il a dit quoi? C'est ma gaufre. Écoute, si tu veux que ça soit ta gaufre, c'est ta gaufre. Hein. Obligé de t'énerver. Hein. Ok, super. En avant, Thierry. En avant. Donne tout. Ouais, je sais, ouais, Nathalie. T'interprètes en fait tout ça comme tu veux. Hein. Ça fait plein de sons bizarres. Nathalie. Non! Non, non, aïe! Aïe. Alors, vous savez, c'est quoi le pire en fait là? C'est que j'aurais pu rattraper ça. Sauf que, en fait, le pic s'est coincé dans cette espèce de petit buissonnet par rapport au mur là. Celui-là, c'est chiant. Mais en fait, ça se trouve, c'est avec toi. Hein. Genre, les goûts sont faits de telle sorte que ça colle. On va changer le plan. On va partir d'en bas. Ça se trouve. Voilà. Moi, c'est ça que j'essaie. Mais pourquoi il l'a pas fait? Ouais, ça se trouve, du coup, partir d'en haut n'est pas un bon plan. Mais pourquoi il veut pas se raccorder comme moi je le veux? Arrête avec ta Nathalie. En fait, on se connaît à peine, il parle déjà de Nathalie. Non, d'accord. Bon, là, ok. Ok, calme-toi, calme-toi. Pense à Nathalie, pense à Nathalie, pense à Nathalie. Pense à Nathalie. Oh bordel, pense à Nathalie. Pense à Nathalie, c'est bon, il pense à Nathalie. Pense à Nathalie, pense à Nathalie, concours de vitesse, oh bordel. Non. Oh non. Il a oublié à quel point Nathalie était belle. Il est chaud ce niveau. Et on en est qu'au chapitre 1. Je vous ai dit, il y avait plusieurs chapitres. Après, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est le genre de réflexion que moi j'aime bien, où en gros, voilà, c'est de la réflexion à base de coups de chance aussi. Parce que tu prends en compte la physique. Mais c'est là où c'est intéressant en fait. Parce que ça évite d'avoir un truc qui est tout le temps trop carré ou quoi. J'aimerais bien renforcer ici là. Voilà. La victoire, c'est Nathalie qui va nous la donner. Pour Nathalie! Ce sera le nouveau cri de guerre. Vas-y. Ok. Ok. Oui, oui, on sait Nathalie. Pour Nathalie. Pour Nathalie, pour Nathalie, pour Nathalie. Pour Nathaniel. Pour Michelangelo. Attends. Ah non, 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 non! Ok. Je peux pas avoir les deux là. Ah, ok. Non! 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 Ah, attends, 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 attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Redresse-toi. Hop! Je suis ultra mauvais. Non, je suis ultra mauvais. En fait, il faut que je consolide plus vers le bas au tout début. Genre, en fait, quand je commence à avancer, je consolide en haut, mais en bas, je l'oublie. C'est probablement pas le bon plan. Vas-y, 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 vas-y. Eh, je ferai pas une VOD qui sera portée sur un niveau et demi, hein. Attends. Tu vas voir. Cialo ! On minimisera les ellipses. Je vous montrerai à quel point je suis doué. À quel point ma force est incommensurable. Par contre, en vrai, j'aimerais bien faire des liaisons des fois, mais je peux pas parce que c'est trop loin. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Ok. 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 On est bien. On est large.
Ah mais c'est vrai, je pense pas aux chronomouches. Il y a des chronomouches. On n'y pense pas. On va y penser, on va y penser. Si jamais on se plante, chronomouche. Faut s'en rappeler. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Ah, attends. On va redurcir un peu là. Voilà. Nathalie, c'est pour toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Nathalie. 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 Sache que c'est pour toi qu'on fait ça, Nathalie. S'il y a des Nathalie dans les abonnés, je suis désolé. Hein. Oui, oui, c'est pas mal. C'est ma copine. C'est ça qu'il a dit. Hein. Oh, oui. On l'a eu. On l'a eu, les enfants, on l'a eu. Allons-y. Vers Nathalie. Et l'au-delà. Super, ça y est, on est connecté. Ah. Par le pouvoir de Nathalie. Elle a encore deux. Yes. 20 sur 8. Excellent. Et ce n'était pas encore le niveau boss, au passage. Hein. Donc du coup, eh bien, cette VOD s'arrêtera sur le niveau boss. Enfin, sur le niveau boss. Disons sur le dernier niveau du chapitre. Personne n'a dit que c'était un niveau boss, mais... Moi, je m'attendrais bien à un boss, même si je vois pas trop comment ça pourrait se passer. Station de pompage et régurgitation. Oula, oula. Ouais, alors c'est pas plus un niveau de boss qu'autre chose. Quoique c'est stylé quand même comme ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Les dernières boules de goût ne semblaient pas savoir qu'elles étaient extrêmement délicieuses, ni connaître la nature du gouffre fétide dans lequel elles se trouvaient. Elles insinuèrent que ce pourrait être le dernier niveau du premier chapitre. Ah. Bien joué. Ou quelque chose du genre. Le peintre des pancartes. Donc attends. En gros, là, on a un carré. Et ce carré... Et ce carré... Faut... Je sais pas. C'est... Est-ce qu'il peut couler, en fait? J'ai bien compris qu'il fallait monter vers le haut. J'essaie d'aller vite, hein. J'essaie d'y aller à la one again et de réfléchir à ensuite. Parce que j'ai vu qu'il y avait une espèce de tout petit conduit. Je pense qu'en fait, l'idée, c'est d'atteindre le conduit. Et quand t'as atteint le conduit, eh ben, en fait, tu peux... comment dire? Tu peux commencer à aller chercher tes copines dans l'autre sens. Genre, tu les détaches, tu vois. Ah, c'est pas vrai! D'avoir une vraie stratégie. Mais la stratégie Casma, c'est la meilleure. Ok, ok. Eh, on est pas mal, attends. Parce que j'ai totalement improvisé, mais... Oh là. Oh là. Oh là là, oh là là. Non! Oh, attends. Mais en fait, si tu touches le truc, là-haut, tu te fais emporter? Attends. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Bon, c'est chiant, là. Attends, 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 attends. Le navire coule! Je répète, le navire coule. Ah, je pense qu'on va se faire emporter, en fait. Ok, restructuration. On est bien, là. Là, j'ai réussi à avoir un... Mais quoi? Mais non, attends, j'étais trop bien. J'allais dire, j'ai réussi à durcir à gauche et à droite en bas. Comment? Ok. Et maintenant? Et maintenant? Eh ben, c'est une bonne question. Oh! Bonjour. Il semble que vous approchiez de quelque chose. Ce serait juste. Il faudra peut-être que vous vous en laissiez quelques-uns. Mais ça devrait aller après tout. Nous sommes tous unis. Le peintre des pancartes, était là aussi. Ok. Ah, c'est sympa. Le niveau, il progresse et tout. C'est cool. Donc, attends. Détachez-vous, les copines. Détachez-vous. Détachez-vous. On va garder les deux piliers centraux. Enfin, centraux. Ce qui permet réellement de tenir, quoi. Genre, voilà. Là. On reconsolide là. On reconsolide là. Voilà, là c'est pas mal. Bon alors du coup, attends, qu'on comprenne ce qui se passe là. Parce que là en gros je suis en train de créer une tour. Mais on sait pas trop où on va. On sait pas trop ce qu'on fait. Là on va suivre le premier hein. S'il en reste qu'une c'est pas grave, on va y arriver. Oh mais j'avais pas vu, on a pas d'objectif requis en fait.
Donc on peut très bien finir le niveau avec une boule. Ça se trouve, il y a même un trophée là-dessus. Enfin, un succès. On est sur PC. Ok. La tour prend forme, messieurs. Ok. Chut. Allez-y, les gars. Montez. Vas-y. Yes. Ah. On voit le sommet. Allez, les gars, poussez. J'hésite, hein, je sens que c'est pas un bon plan ce que je fais. Ouais. C'est un plan compliqué. Attends, ça serait peut-être bien de sécuriser tout ça en fait. Parce que là, on n'a pas de sécurité en soi. Si on pouvait. Attends. Ne serait-ce que. Là, bien se mettre sur les côtés. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. On commence à pouvoir se détacher. Allez-y. Ok, vas-y. Faut faire gaffe. Il y en a une qui se détache, c'est fini. Ok. Toi, Thierry, tu y vas. Toi, Polo, tu y vas. Oh, la limite. Oh, c'est très l'équilibriste, là. Et c'est tout rien, ce que je fais. On va retomber tout en bas. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est propre, là. J'hésite. Vous pensez que c'est un bon plan? Ça passe. Ok. Vas-y, l'échelle. Vas-y. Peut-être t'en mettre un là, quand même. Ok. Oh. Mais on a pris tout le monde. Mais non. Attendez. Parce que là, ils sont restés bloqués. Donc j'en profite, hein, je regarde. On a tout le monde. Ce talent. Bonjour. Il paraît que c'est le point le plus haut de toute l'île. Au lever du soleil, on peut voir ou presque tout l'horizon. Mais je me demande ce qu'on verrait en flottant un peu plus haut. Nous reverrons le peintre des pancartes. Donc ça c'est... Ah oui, oh. Attends. Parce que là, on est monstrueusement bien. On a tout le monde. On peut pas avoir mieux. Genre on a oublié personne. Là c'est qualitatif. Vas-y. Tout le monde suit? Tout le monde est là? Marco, tu suis? Vas-y, ça bloque là. Vas-y. Allez! Voler! Pourquoi ça veut pas? Je sais pas pourquoi ça veut pas. Il y a trop de poids. Mais pourquoi il y a trop de poids en fait? Allez! Est-ce que j'ai tout mis au même endroit? Attends, je suis en train de détruire le truc là. Compliqué. J'essaye de comprendre pourquoi ça ne veut pas. Oh, ça y est. Oui, ils l'ont fait. Ils sont libres. Nice. La véritable victoire. Au revoir tout le monde. Oh, la joie. C'est le GG. Mais c'est le gros GG en plus. On a oublié personne, c'est un 100% de boss. Et de cette très grande hauteur, et avec ses nouveaux yeux énormes, les boules de goût pouvaient voir vraiment très très loin. Elles pouvaient apercevoir dans toutes les directions de nouvelles îles inexplorées, sur lesquelles rampaient de nouvelles espèces de goût inconnues. Les possibilités de jeu seraient certainement illimitées. Les boules de goût espéraient qu'un aventurier courageux viendrait explorer leurs nouvelles découvertes. Alors qu'elles dérivaient de plus en plus haut, elles comprirent qu'elles ne reviendraient jamais. Ou pas, parce que si j'ai besoin à un moment de récupérer d'autres boules, je repasse, hein, pas de problème.
Et c'est une fin, messieurs dames, de chapitre 1. Et c'est excellent, plus 24. On est bon de chez bon. Enfin, on est bon de chez bon. On est propre, on est honnête, dirons-nous. Je vous fais des gros bisous, je te fais des gros bisous YouTube et je te dis à très bientôt pour la troisième VOD. Ciao tout le monde!